Bonjour. La semaine passée, j'ai reçu Madame Michèle Fortin qui nous a parlé des préarrangements funéraires. Alors, pour faire suite, j'ai invité deux dames charmantes qui travaillent aux couleurs de la vie. C'est-tu assez un beau titre, ça? Alors, ce sont deux dames qui vont nous parler. D'abord, Madame Hélène Giroir et Madame Joëlle Thomas. Elles vont nous parler d'accompagnement au deuil, comment apprivoiser la situation. Elles vont parler de soutien psycho-affectif. Enfin, je ne sais pas si je vais les garder toute la journée parce qu'il y a tellement de choses. Je vous avoue que c'est très intéressant. Alors, sans plus tarder, je vous les présente. Bonjour Joëlle, à ma gauche. Bonjour Joëlle et Hélène. Bonjour Joëlle. Alors, laquelle qui commence me parler d'accompagnement? On commence par où? Parce qu'il y en a tellement. Alors, c'est vous, Joëlle, qui allez commencer. C'est vous qui faites de l'accompagnement? Oui. Les deux? Oui. Les non, deux, moi, faites... je ne fais pas d'accompagnement. Moi, je suis présidente du conseil d'administration de Aux couleurs de la vie. Ça fait longtemps? Deux ans. Vous aimez... J'ai fait de l'accompagnement avant, par exemple. Oui. Oui. Puis qu'est-ce que ça fait quand on est... Quand on est sur le conseil d'administration, mais Joëlle est aussi sur le conseil d'administration, on s'occupe de gérer l'organisme au point de vue financier, au point de vue des activités à offrir. Alors, c'est plus la gestion qu'on fait. Mais on a des bonnes animatrices, formatrices et des bonnes accompagnatrices qui, elles, sont auprès de la population pour les accompagner. C'est ce que Joëlle fait en plus d'être administratrice. D'accord. Mais quand il faut gérer des ateliers, des accompagnements, est-ce que c'est vous qui cédulez ça ou... Non, nous avons une coordonnatrice qui est employée à temps plein pour nous. Oui. C'est elle qui fait le travail là, d'organisation des activités. Il y en a plusieurs activités? Oui, beaucoup d'activités. Je vais parler, Joëlle, si tu le permets, de celle qui ne te touche pas directement. Oui, okay? Certainement. Alors, on offre de l'accompagnement individuel à toute personne qui vient de vivre un deuil ou qui est en train d'en vivre un, qui est proche aidant, par exemple. Oui. Parce qu'on sait que les proches aidants, ils vivent les deuils petit peu par petit peu. Hein? Oui. Alors, on accompagne individuellement ces personnes-là. Nous avons 7-8 bénévoles qui font de l'accompagnement individuel. OK. Est-ce qu'elles ont été formées, ces bénévoles-là? Oui, elles ont été formées. Elles reçoivent une formation en accompagnement, dont Joëlle vous parlera un petit peu plus longuement parce que c'est elle qui s'occupe de ce secteur-là. Oh, d'accord. Ensuite, nous offrons des ateliers de groupe. Ça aussi, je vais laisser ça à Joëlle parce qu'elle-même en anime. Et après ça, on offre aussi des conférences déclencheur à tout organisme qui la demande. Alors ça, c'est Mme Anne Brissette qui va donner les conférences. C'est une conférence où elle aborde le thème de l'apprivoisement du deuil dans le quotidien. Alors ça, c'est disponible pour tous les organismes, tous les milieux qui font appel à nos conférences. OK, ça pourrait même être des compagnies? Oui, oui, oui. Okay. Oui. Ah, oui. Des organismes, lesquels, par exemple? Bien, qui est-ce qui a demandé des conférences? Les aidants naturels? Oui, ça peut être aussi, je ne me rappelle pas comment on l'appelle, là, la sclérose en plaques. Ils ont un organisme oui. pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. D'accord. La Société d'Alzheimer, par exemple. Ah, bon. Alors, des organismes qui sont, disons, en service auprès de la population, qui vivent des deuils, des pertes, que ce soit par la maladie ou bien par le décès d'un proche. D'accord. Alors, on offre des conférences comme ça, déclencheurs, parce que souvent, après, il y a des personnes qui, là, vont s'inscrire à nos activités. Est-ce que vous allez dans les résidences? Oui, on peut aller dans les résidences. Vous pouvez aller. Personnes âgées. D'accord. Ah oui. Les maisons des aînés aussi. Il y en a une à la Valtrie, une maison des aînés, où on est allé donner des conférences puis des activités là, de groupe. C'est très intéressant. Puis, est-ce que vous, quand vous allez voir les gens en individuel, dans plusieurs milieux? Ce sont les personnes qui viennent chez nous, nos locaux. On a un petit local pour l'accompagnement. On en a dans 5 MRC de Lanaudière, des activités qui sont offertes. Parce que nous, on a un mandat sous-régional. On peut être présent dans 5 MRC sur 6. La seule MRC où on ne va pas, c'est celle de Desmoulins. Ça touche Terrebonne et Mascouche. D'accord. Mais partout ailleurs, on peut être présent. Et on est présent dans la MRC de l'Assomption, Matawini, Montcalm, Dautré et Joliette. On a des bénévoles dans plusieurs de ces MRC. Pas toutes, là,
Ben, pas tout. Ben, oui, je pense qu'on a, excusez-moi, là, on en a à Joliette, on en a dans Matawini, on en a une, on en a dans Montcalm, on en a à l'Assomption, on en a une, et puis on en a dans d'autres, on en a deux, je pense, dans d'autres. Et ces bénévoles-là, elles font quoi? Est-ce qu'elles vont à domicile? Elles peuvent aller si elles le veulent. On ne les oblige pas à aller à domicile. D'accord. Mais présentement, la majorité vient à nos locaux pour faire l'accompagnement. OK. Parce que je pense à quelqu'un qui serait toute seule puis qui n'aurait pas de véhicule ou elle peut toujours aller au, avec le transport adapté. Mais si elle veut recevoir chez elle, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Dépendant du cas. Dépendant du choix de la bénévole. Ah, c'est la bénévole qui décide. On en a une bénévole à la Valterie qui, elle, préfère aller à domicile. Alors, elle va rencontrer les gens à domicile. Ah, d'accord, c'est très intéressant. Oui. Ça, c'est tout ce que vous faites là. Ensuite, on a deux autres ateliers, disons, qui sont complémentaires, je dirais. Là. C'est la communication authentique, dialogue authentique. Apprendre à bien communiquer à partir de ses besoins. Communiquer avec le « je » plutôt qu'avec le « tu ». Qui es-tu? Le tu-tu. Puis l'autre, c'est le focusing. Ça, c'est beaucoup par l'écoute du corps. Aller vraiment dans les profondeurs, si on veut, de son corps pour aller trouver l'origine là, des émotions puis des blessures. C'est très psychologique, votre affaire. Oui. Alors, pas besoin d'un cours en psychologie? Ben non. Non. C'est le rituel de la vie, le quotidien, toute simplicité. C'est ça. Oh oui, ça se fait en toute simplicité. D'accord. Bon, c'est plus simple. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Hélène? Ben, dans le moment, il ne me vient rien d'autre, là, mais... En écoutant Joël? On va parler plus de la formation, en accompagnement et des traversées conscientes du deuil qu'elle anime. D'accord. Oui. Et je voudrais compléter par rapport au... service que les bénévoles peuvent offrir. Il y a aussi la possibilité de faire appel à une bénévole qui vienne dans une résidence ou dans un centre de soins palliatifs. On a une bénévole qui vient dans un centre de soins palliatifs. Et donc, mais c'est sûr que cela dépend vraiment du choix des bénévoles. Oui. Il y a une bénévole qui faisait plus de domicile et puis qui maintenant a dit « Je n'ai plus envie de faire de domicile, je voudrais pouvoir recevoir au bureau. » Parce que je me sens mieux quand je suis dans le cadre de Aux couleurs de la vie plutôt que dans le domicile d'une personne. Donc c'est vraiment... l'objectif, c'est que chacun se sente bien, étant donné que ça commence par soi-même. C'est la formation, d'ailleurs, que les bénévoles reçoivent... c'est une formation qui les invite à être plus présente à elles-mêmes, plus en contact avec vraiment leur ressenti, leur vécu profond, pour pouvoir alors rencontrer la personne à ce niveau-là. Parce que c'est pas le mode de communication habituel. Habituellement, mais on communique à partir du mental, et puis c'est vraiment notre programme mental qui nous entraîne à répondre d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Mais quand les personnes vivent des grandes difficultés, des grandes épreuves, quand les personnes sont en proie avec un bouleversement identitaire parce qu'elles vivent des grandes maladies importantes ou qu'elles ont perdu quelqu'un et que donc elles ne savent plus qui elles sont, elles sont toutes perdues, à ce moment-là, mais le mode de communication habituel ne convient pas du tout parce que la douleur, la souffrance, c'est au niveau du cœur et de l'âme qu'elle se vit. Et donc, c'est à ce niveau-là que ces personnes ont besoin d'être rencontrées. D'accord. Et c'est pour ça que les bénévoles n'ont pas une formation psychologique. Par contre, ils ont une formation au niveau de communication de cœur à cœur et d'âme à âme. D'accord. Est-ce que les bénévoles, je pense, elles ont peut-être vécu ce deuil-là et elles sont en mesure de bien comprendre la personne qu'elle vit elle-même? Là? Oui. Est-ce que ça arrive que c'est parce qu'elles ont vécu que ce drame-là et qu'elles peuvent facilement accompagner quelqu'un? Ça serait un choix? Beaucoup de bénévoles
ont une expérience personnelle, oui. personnelle qui les a poussées à aller vers ces accompagnements. Et elles sont aussi invitées, les bénévoles, à suivre une traversée consciente du deuil oui. pour pouvoir, je veux dire, faire un nettoyage, faire passer ce processus de deuil elles-mêmes et ainsi pouvoir éviter de la projection sur les personnes. Oui, ça pourrait arriver. Et puis, pouvoir aussi mieux accueillir ce que vivent les personnes avec cette référence de ce processus de deuil qui est clair, qui est un support, qui permet aux personnes de se rendre compte que c'est normal ce qu'elles vivent. Oui. Parce qu'il y a des moments où les personnes se demandent, ben, qu'est-ce qui se passe, moi, ça va plus dans ma tête, je suis toute désorganisée, je deviens malade, j'ai l'impression de m'enfoncer dans un trou, je vis comme si on m'avait amputé d'une partie de moi, je me retrouve plus, donc c'est très bouleversant. Et toutes les responsabilités qui s'ensuivent, de prendre la responsabilité de tout à l'heure, d'exécuter d'abord les préarrangements de celui qui est décédé, puis enfin, bien d'autres choses. Si elles sont seules à la maison aussi, il y a plein de responsabilités. Elles se sentent veillées, je pense. Oui, c'est la comme personne si en deuil. Elle n'a plus de temps et plus de disponibilité pour ses propres besoins aussi. Oui. C'est juste les besoins de la personne qui est malade. C'est la réalité du proche aidant aussi. Hein. Oui, d'abord, donc, être centré sur les besoins de l'autre, de la personne malade. Et puis, quand la personne est décédée, devoir faire face à tout ce qui concerne le quotidien, en ayant perdu beaucoup d'énergie, en ayant peu de connaissances, pour certaines personnes. Oui. Je me souviens d'une personne qui disait, j'ai un permis de conduire, j'ai conduit, fut un temps où je conduisais. Mais là, elle dit maintenant, ça fait au moins 20 ans que c'est toujours mon mari qui conduisait. Moi, je n'allais plus au travail, donc je ne conduisais plus. Puis, c'était toujours lui qui conduisait. Elle dit, et maintenant, il faut que je reprenne la voiture parce qu'il n'est plus là. Mmh. Oui. Et bon, ça, c'est un petit exemple, mais il y a tout concernant la maison, concernant, ben, vous parliez du déneigement tout à l'heure. Oui, ma chère dame, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi aussi, là, j'ai des besoins, je suis toute seule, je suis veuve, j'ai une grande maison. Qui va déneiger? J'ai assez, mais là, j'ai la difficulté à trouver quelqu'un, puis je ne suis pas la seule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pouvez-vous faire quelque chose, vous, pour me trouver un déneigeur? Non? C'est un fait que si je connaissais des personnes ou un organisme qui s'occupe de ça, ben, il y a pas d'organisme. Plaisir à vous le dire, mais je n'en connais pas. Et on n'a pas les réponses à toutes les questions. D'accord. Le mieux, c'est d'en parler. Il y en a toujours qui s'ajoutent. Oui. Puis est-ce qu'un organisme qui pourrait se décider à aider ces personnes-là, de trouver quelqu'un qui aurait comme mission d'aller déneiger? Oui. Peut-être engagé par le gouvernement, je ne sais pas, je ne connais pas ça. Bien, c'est sûr que c'est des besoins. On est peut-être rendu à faire des pas, mais c'est des pas à faire pour. Puis c'est déjà beaucoup, hein? Les besoins, mais il y a tellement de besoins. Oh, c'est vraiment beaucoup. Quand j'ai lu tout ce que vous faisiez, là, franchement, je trouve ça merveilleux. C'est les missionnaires d'aujourd'hui, ma chère Hélène. Presque. Hein? Oui. Bien, il faut dire qu'Aux couleurs de la vie existe depuis 10 ans, 11 ans, c'est-à-dire. Ah oui. Hein, ça a été un long travail là, de construction, beaucoup dû à Mme Cuérier au début, là, oui. qui était la pionnière. Hein. Alors, ça a pris des années à monter tous ces services-là. Hein. Oui. Puis il y a toujours des ajustements à faire parce qu'il y a des besoins qui s'ajoutent, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Alors, c'est beaucoup de travail. Mm-hmm. Oui. Oui. Vous êtes beaucoup dans l'organisme pour gérer tout ça? Bien, on a une coordonnatrice qui est à temps plein, puis on a une adjointe à la coordination qui est à deux jours. Nous sommes 7 administrateurs sur le conseil d'administration. Nous avons 3 animatrices, comme ce que Joël fait, là, formatrice, animatrice. Des bénévoles, il y en a quoi? 7-8 qui font de l'accompagnement, à peu près? Oui, certainement. Donc, c'est 8, 7 ou 8, oui, parce que la dernière... En fait,
Aussi, pour soutenir les bénévoles, nous organisons des rencontres de bénévoles. Et donc, je les accompagne dans ce qu'elles vivent. Et puis, je dis « elles » parce que pour le moment, ce sont toutes des dames. Oui. Et éventuellement, j'apporte un thème. Si on a le temps, on va parler du thème proposé. Et je sais que la dernière fois, c'était, j'avais 10 personnes, 10 bénévoles à 10? Inviter. Mmh. Mais donc, je ne sais pas si entre-temps, je crois que c'était, est-ce que c'était en septembre? Ça se ou peut en octobre. Ça soit 10 aussi. C'est peut-être en octobre, mais je sais que je me souviens qu'il y avait, j'avais 10 bénévoles invités. Mais bon, elles ne sont pas toujours libres, il y en a qui... Elles s'engagent à quoi, ces bénévoles-là? À être disponibles? Chacune a sa disponibilité est différente. Oui. Okay. Oui, oui. Et ça, c'est important que nous n'ayons pas d'attente par rapport à leur disponibilité. D'accord. C'est sûr que pour l'organisation, on a besoin de savoir, mais c'est important qu'elles se respectent. Chaque bénévole voit si, voilà, là pour le moment, je suis disponible pour accompagner une deuxième, une troisième personne. Bon, et puis à un moment donné, non, là, je ne suis pas disponible, je sens que j'ai besoin de me retrouver pendant un mois ou deux, je ne vais pas en faire. Ah, d'accord. Et voilà, les accompagnements durent en général 5 rencontres ou 1, ça dépend. Oui. Cinq rencontres dans une journée? Non. On offre à une personne qui demande nos services, on lui offre 5 rencontres. Ah, d'accord, d'accord. Parce qu'on a trop de demandes. Ah, OK. On ne peut pas accompagner quelqu'un pendant 6 okay. mois, par exemple. Et puis la bénévole, elle accompagne cette personne-là. Elle fait quoi pour l'accompagner? Elle va jouer aux cartes avec? Elle va aller chez la coiffeuse? Qu'est-ce qu'elle fait, la bénévole, quand elle accompagne quelqu'un? Oui, en fait, aux couleurs de la vie, c'est focalisé sur l'accompagnement psycho-affectif. Ah. Donc, ce n'est pas un accompagnement... matériel routier. Ah, bon. D'accord. Ça appartient à un autre organisme, peut-être. Voilà. Il y a ah, d'autres, d'accord. Oui. Aux couleurs de la vie offre vraiment un accompagnement psycho-affectif parce que c'était vraiment le parent pauvre, je vais dire. L'accompagnement matériel, il y en a, mais l'accompagnement psycho-affectif, ça demande une certaine disponibilité de cœur et d'âme qui fait que ça c'est très peu proposé. En fait, on ne connaissait pas d'organismes qui proposaient cela. Donc c'est beaucoup d'écoute. C'est beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. OK, la personne a le besoin de... Surtout quand c'est une étrangère. Bien souvent, les personnes ne peuvent pas se confier à leur... À leurs proches, mm-hmm. hein, parce qu'ils ont des choses à dire, puis une étrangère, c'est plus accessible. Mm-hmm. Oui, parce que je me souviens, j'ai fait du bénévolat au CHSLD, puis je les écoutais aussi, puis avant de partir, c'était me tenir par le bras et me dire, à toi, je vais le dire. Mm-hmm. Hein? C'est comme ça qu'elles font aussi. C'est comme ça que vous les éduquez ou vous les leur apprenez comment avoir cette rencontre socio-affective. Vraiment basée sur l'écoute. C'est tout à fait... cette disponibilité-là, une écoute du cœur, une écoute affective, plus que l'écoute du mental. Il n'y a pas de solutions qui sont apportées, il n'y a pas de conseils qui sont donnés. Ah, oui. C'est aider la personne à vraiment se rencontrer et trouver qu'elle a toutes les ressources en elle. Oui. Et qu'elle est dans un moment où elle se sent perdue, mais en parlant, elle commence à se retrouver. Oui. En parlant, elle commence à s'habiter plus. Oui. Du coup, à se faire plus confiance. Oui. Et là, alors, elle trouve des solutions, elle trouve les ressources dont elle a besoin. Et bien souvent, c'est grâce à cette écoute vraiment du cœur que la personne peut laisser sortir, laisser couler les émotions, que ce soit des pleurs, ou que ce soit de la colère parfois aussi, la rébellion. Et après ça, elle voit plus clair. Parce que toutes ces émotions qui étaient à l'intérieur d'elle l'empêchaient de voir clair.
On dit que la personne est dans le brouillard, avec le brouillard des émotions, de la peine, tout ça. Moi, je veux juste rajouter, j'ai accompagné une dame à un moment donné, comme ça, puis elle m'a dit, moi, mes belles-sœurs, ils me disent, mais voyons donc, ça fait 6 mois qu'il est décédé, là, arrête de pleurer, là. Mais bon, chez nous, même si ça fait 6 mois, même si ça fait 1 an, on peut encore pleurer. Là. Oui, 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 c'est ça. Les proches ne comprennent pas toujours ce que la personne vit. Mais on entend souvent, enfin quelquefois, moi je suis une grande fille, là je pleure pas. Ouais. Mais on refoule, puis c'est terrible. Là. Alors, comme ça, mais il faut prendre la décision par contre, de recevoir quelqu'un. Oui, 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 c'est sûr. Il faut prendre la décision de demander de l'aide, de venir, souvent de se déplacer, hein, parce que nous, les gens se déplacent en majorité là, présentement. Mais ça demande beaucoup d'ouverture aussi. Moi, je trouve que les personnes qui demandent nos services en accompagnement, moi, je les trouve belles dans la démarche qu'elles font de s'ouvrir, puis de demander de l'aide, puis de faire confiance, là. Oui. Parce qu'elles arrivent, puis elles ouvrent ce qu'elles ont de plus intime, puis de souffrant aussi, à quelqu'un qui est une étrangère, là. Oui. Fait que c'est une belle démarche d'ouverture puis d'humilité qu'elles font. Oui. Ben, c'est un niveau de conscience qu'il faut atteindre. Pas toujours facile. Non, non. Mais ça, c'est faisable. On est tous en évolution. Hein? Oui, c'est ça. On est toujours en évolution. Mm-hmm. Vous faites des ateliers aussi? Vous organisez des ateliers? Est-ce que vous les organisez, Joël, ou c'est quelqu'un d'autre? L'organisation, c'est la coordinatrice qui veille à l'organisation. Et donc, moi, je suis engagée par l'organisme pour animer des traversées conscientes du deuil. Qui sont donc soit proposés après un certain nombre de rencontres, des personnes qui ont rencontré une bénévole quelquefois et puis qui aimeraient aller plus loin et en tout cas pouvoir poursuivre, mais la bénévole n'a pas une disponibilité pour rencontrer pendant énormément de rencontres. Alors les traversées conscientes du deuil, cette... il y a 10 rencontres et ça se passe en groupe. Là aussi, c'est une autre dynamique. Oui. Il y a des personnes qui préfèrent venir en groupe parce que quand elles sont seules avec une bénévole, la personne peut se sentir trop observée, prendre trop de place. Oui. Et après une rencontre ou deux, elle dit non, je voudrais bien une rencontre de groupe. J'aimerais passer à la rencontre de groupe. Oui. Et ça, donc, la coordinatrice explique, lors du premier appel téléphonique, ce que l'organisme offre. Et qu'il y a donc cette possibilité de traverser conscient du deuil, qu'il y a la possibilité d'un accompagnement individuel, ou deux personnes, c'est arrivé, c'est rare, qu'un bénévole accompagne un couple, ou... Là maintenant aussi, c'était, je crois, 2 enfants. Hein, il y avait, je crois, un couple et puis il y avait 2 enfants. Là, parce que c'était une situation familiale qui était souffrante et suite à un décès. Donc, la demande était pour plusieurs personnes. Maintenant, il y a d'autres donc, ateliers qui sont donnés par Anne Brissette et dont Hélène a parlé, hein, les ateliers de la communication vraie, authentique et le focusing. Et puis, moi je donne la formation d'accompagnement depuis le diagnostic de la maladie jusqu'au deuil. Grâce à la communication de cœur à cœur et d'âme à âme. Et ça, c'est une formation que l'organisme m'a commandée suite à un besoin de créer une formation, d'offrir une formation à tous les bénévoles en plus de la traversée consciente du deuil. Il y a la communication non verbale aussi. Je pense aux personnes qui sont à Alzheimer. Est-ce que vous voyez cette ou si ça appartient à un autre organisme? En fait, au niveau de ma pratique, moi, je
je suis formée, enfin, j'ai pratiqué principalement comme psychologue en Belgique auprès de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Ah oui? Et donc, c'est ainsi que j'ai écrit ma pratique dans un livre qui s'appelle « Je parle Alzheimer, le langage du cœur ». Et là-dedans, donc, la pratique vise principalement la communication non-verbale. Disons que la communication verbale est considérée comme secondaire, c'est-à-dire que... Parce qu'elle est décousue Mais parce que les mots que les personnes peuvent utiliser peuvent aller en contradiction avec leur comportement. D'accord. Ou avec les émotions qu'ils manifestent. Mmh. Et à ce moment-là, ben, c'est le non-verbal qui dit la vérité. C'est l'émotion qui dit la vérité, c'est le comportement qui dit la vérité et pas les mots qu'ils utilisent parce que justement ils sont malades au niveau du mental. Mmh. Oui. Ils ne sont pas malades au niveau du cœur et au niveau de l'âme. Oui. Et donc c'est la communication authentique est principalement dans le non-verbal. Elle est plus vraie. Elle est plus vraie. Elle est plus vraie. Elle est plus vraie. Et parfois les mots correspondent, mais c'est pas toujours le cas, et c'est même beaucoup plus fréquent que les mots ne correspondent pas à l'attitude. D'accord. Et donc c'est suite à la lecture de ce livre que l'organisme Aux couleurs de la vie m'a demandé de m'impliquer auprès de l'organisme pour utiliser ce mode de communication. Aussi avec les personnes qui ne sont pas désorientées, mais qui vivent des grandes souffrances, qui vivent un grand stress, qui vivent problèmes de maladies autres que maladies de type Alzheimer, que ce soit un cancer, que ce soit une sclérose en plaques, que ce soit des maladies invalidantes, et qui font que la personne vit un mal-être identitaire. C'est l'identité qu'elle s'est construite tout au long de sa vie, son identité narrative, qui est en fait l'identité intellectuelle, ne correspond plus à ce qu'elle vit à ce moment-là. Parce que cette identité qu'on s'est construite, c'est par rapport à ce que les personnes nous disaient qu'on faisait bien, ou ce qu'elles reconnaissaient de bon chez nous, ou ce qu'elles nous disaient qu'il ne fallait pas qu'on fasse ou qu'on dise. Et c'est ainsi que, parce que tout le monde a envie d'être aimé, donc nous nous sommes construits une identité narrative liée à notre histoire, à nos expériences de vie. Mais quand arrive cette maladie grave, quand arrive le deuil, les personnes peuvent être tellement désemparées, se rendre compte que tout ce qu'elles pensaient qu'elles étaient, ça ne correspond plus à ce qu'elles ressentent. Mmh. Et donc, en les accompagnant au niveau vraiment de leur ressenti, vraiment de l'affectif, au niveau du sens de ce qu'elles vivent, là, elles retrouvent qui elles sont vraiment. Pas leur identité intellectuelle, mais leur identité affective. Et leur identité au niveau de ce qui est peu apparent, mais au niveau où on est tous semblables, au niveau de la présence à nous-mêmes. Mmh. Et donc, là, c'est rassurant pour elles, parce que c'est à ce niveau-là qu'elles retrouvent du sens. D'accord. Donc, les aidants naturels qui font face à soi à un cancer, à une sclérose en plaques, mais je pense au Parkinson. Oui. Mm-hmm. Parkinson qui sont très lucides, oui. Mais qui perdent le goût, qui perdent tranquillement les choses. Notre attitude face à ces maladies-là qui sont différentes
l'attitude est différente aussi. Bien souvent, tu ne sais pas si tu dois demander. Moi, j'ose dire que j'ai un fils qui a 58 ans, qui a le Parkinson. Et je ne sais pas comment. Il est encore très, très actif, mais je n'ose pas le déranger. Puis pourtant, c'est un gars qui était très. Était ingénieur, qui était très occupé à faire plein de choses qu'il aimait, mais là, il a dû arrêter son travail. Alors, il peut s'ennuyer, mais il faut qu'il se repose aussi. Et puis, comme je suis massothérapeute et que j'aimerais bien ça, le masser, j'aimerais bien ça lui dire que j'ai pris beaucoup de cours. Non, on m'en laisse faire. Alors, il faut que j'arrête de vouloir l'aider puis de lui faire confiance qu'il peut faire les choses. Mais je suis quand même mal à l'aise parce que je ne sais pas comment l'aimer d'une façon différente. Et c'est ça que j'imagine qu'on apprend chez vous, comment aimer d'une façon différente pour le rejoindre là où il est. Oui. Mais moi, c'est juste que j'ai de dire un petit quelque chose qui me vient. C'est plus difficile pour une maman comme toi ou comme vous, oui. Savez. Bon, comme toi, comme toi, ça va. Oui, ça va. C'est plus difficile une maman qui voit son fils qui a la maladie de Parkinson qu'une bénévole qu'il rencontrerait. Mais il ne veut pas rencontrer de bénévole. Non, mais la maman, elle a des liens affectifs, émotifs avec oui. Son fils, tandis que la bénévole, elle n'a pas ces liens-là. Alors, elle peut être plus à l'écoute, moi je dirais, parce qu'elle n'a pas les émotions. Oui. Que la mère va avoir. Oui. C'est plus facile. Moi, mais, je pense que c'est oui, plus facile. Oui, sûrement. Hein, on mais... est plus, comment on appelle ça? On n'est pas en fusion. Hein? Oui. C'est ça? Oui. Et la personne qui a vécu avec, donc, soit son fils, soit un conjoint ou une conjointe, elle connaît la personne malade. Au niveau de son identité narrative. Elle la connaît... C'est instinctif? Ses programmes de réponse ou de goût. Et à ce moment-là, ben, l'accompagnante proche qui est... sa femme, là. Sa femme ou sa maman. Ou... a tendance à se baser sur ce qu'elle connaît déjà, oui. Alors que le bénévole ne connaît pas cette identité-là. Donc, ça la aide, la bénévole, à pouvoir être directement au niveau du cœur et de l'intuition. De l'intuition, vraiment guidée par l'intuition et l'amour. Je ne dis pas, les proches sont guidés par l'amour aussi, mais le mental vient... un peu a tendance à prendre trop de place. Et donc faut croire qu'il y a des ressources qu'il va découvrir lui-même et que j'ai pas à aller devant ça. C'est ça que j'ai à apprendre. Je vais profiter pendant que tu es là. Mais déjà simplement en disant je suis tellement touchée par ce que tu vis, puis moi mon cœur de mère il a envie de j'ai envie de faire quelque chose, je t'aime tellement, j'ai envie que tu sois bien. Je sais pas quoi, puis je suis malhabile. Puis c'est ça, je sais que c'est pas moi qui sais ce qui est bon pour toi, c'est toi qui le sais. Oui. N'hésite pas à me demander si je peux faire quelque chose, n'hésite pas. Puis de temps en temps, je te dirai comment je me sens. Hein, par exemple, vous pouvez lui dire, là, ben, ça fait un moment que je t'ai plus parlé parce que je... J'ose pas te déranger parce que tu dors peut-être, voilà. Et en sieste et tout. Voilà. Là, j'ai décidé d'y envoyer des messages sur ordinateur. Parce que je me dis, il pourra les lire quand il sera... Mais ça m'a pris du temps avant de me décider de faire ça. Mais comme je suis pas bonne à l'ordinateur, je me débrouille comme je peux. Mais là, je vais avoir quelqu'un qui va m'aider. Ça fait que... Mais je pense que la communication va peut-être être mieux. Oui. Parce que je vais pouvoir peut-être dire plus de choses que s'il était là. Mais j'ai trop d'émotions, je ne peux pas lui dire. Mais pour l'écrire, qu'est-ce que vous en pensez de cette communication-là? C'est une ressource que vous avez découverte. Ça veut dire que c'est la ressource qui vous convient. Et c'est vraiment particulier pour chacun. Chaque situation, elle est unique. Oui. Puis, je veux dire, c'est vraiment précieux la relation que vous avez
par amour avec la personne auquel vous pensez, là ici c'est avec votre fils, et donc juste vous faire confiance, et quand vous êtes à ce niveau de profondeur en vous, au niveau de l'amour, de l'intuition, ce sera toujours juste. C'est quand le mental prend le dessus, oui, et vient dire « Oh, mais il faudrait que ceci, ça lui ferait du bien si je faisais cela. » Et là, à ce moment-là, dites-vous que dans le champ. Beaucoup, oui, vous pouvez dans le champ, comme vous dites, il y a vraiment, vous pouvez avoir beaucoup d'erreurs. Et à ce moment-là, être envahissante ou être inappropriée. Mm. Et pourtant, vous vouliez bien faire. Mm-hmm. Mais c'est le mental qui a pris le dessus. J'ai la tendance du sauveur, là, vous comprenez? Fait que si je l'ai avec les autres, puis des fois, c'est embêtant pour l'autre. On les étouffe peut-être parce qu'on veut trop. Hein. Oui. Oui, et à ce moment-là, ça ne leur donne pas l'espace nécessaire pour pouvoir reconnaître dans leur identité affective, dans leur identité de ce moment-là avec la maladie, qu'est-ce qui est bon pour eux. Parce que tout se passe dans le présent. C'est bon dans ce moment-là, mais ce sera peut-être plus bon un peu plus tard. Mm. Et ça, c'est ce que les personnes qui vivent une maladie ou des personnes qui vivent un deuil découvrent. C'est que restons juste dans le présent. Oui. Je ne peux pas savoir pour plus tard. Je peux avoir une crise de ma maladie, je peux avoir la personne qui est en deuil, elle peut être dans un moment où elle est tout à fait désorganisée, qu'elle ne sait plus où elle en est, c'est vraiment important de pouvoir se respecter dans le présent et pas avoir d'attente. Je vis, je sens que je vis ce qui se passe là et que je permets à l'autre de vivre cette rencontre aussi, que ce soit même avec un message, un courriel, vous savez que quand ce sera le temps pour lui, il pourra lire le courriel. Quand ce sera le temps pour lui de répondre, il pourra le faire à la manière qu'il aimera. Oui. Que ce soit par courriel, que ce soit par téléphone, que ce soit en passant chez vous. Puis, et si vous n'avez pas d'attente, vous verrez le cadeau au moment où le petit geste va arriver. Alors que si vous avez une attente, vous pourriez ne pas remarquer. Ma chère Joëlle, on dit j'ai pas de jugement, j'ai pas d'attente. On sait bien des choses, mais ça reste dans la tête au lieu de descendre dans le cœur. Hein. Mm-hmm. Et c'est là le problème, moi, je trouve. Mm-hmm. Mais c'est un apprentissage. La formation, donc en accompagnement, c'est une formation de 36 heures. Et donc, actuellement, je donne 6 journées, c'est une fois par semaine. Et c'est incroyable l'évolution, oui, des personnes. Les personnes qui disaient, mais au départ, oui, je comprends, mais oui, mais moi, je suis d'accord, j'ai toujours pensé ça. Mais le vivre. C'est une autre affaire. Et là, les personnes se rendent compte, mais waouh, là, maintenant, je pense que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais oui, au travers de cette formation, la recherche est d'avoir ce déclic, de passer du faire à l'être. Oui. Une fois qu'on a ce déclic, hop, la communication peut changer, arriver tout de suite au niveau du vrai, authentique. Joëlle, je voudrais te mentionner quelque chose. Tu parles toujours du corps à l'âme et c'est important de communiquer à cette dimension-là, cette façon-là. Et on dit souvent, il a le Parkinson, il a l'Alzheimer, il a le cancer, au lieu de dire, on dit qu'il a. Moi, je trouve que ça ferait toute la différence parce qu'on peut découvrir un tas de choses. La personne peut guérir, croire qu'elle a tellement une intention pure d'être bien que finalement, elle pourrait peut-être même s'auto-guérir. On pourrait aller au lieu de toujours accentuer le problème. « Ah, ben pauvre lui, il y a ça. Pauvre elle, elle a ça. » Au lieu de dire, ça me fait penser un jour... le médecin qui vient voir Pierre, et Pierre est très rébarbatif, il ne prend pas de pilule, il ne veut pas voir le médecin. Il a vécu quand même jusqu'à 84 ans en ayant sa tête dure, là. Et puis, alors moi, j'inquiète et je fais venir le médecin
pour parce que je suis inquiète. Et puis, fait, quand le médecin arrive, il dit, allez-vous voir le médecin? Lui, il dit non. Ben, il dit, moi non plus, j'en veux pas. Il l'envoie. J'étais gênée. Alors, je sors sur la galerie avec le médecin, puis je lui dis, écoutez, docteur, je suis désolée. Ben, il me dit, je l'ai peut-être raconté, mais je le raconte une autre fois, parce que ça m'a tellement impressionnée. Puis il m'a dit, ah, oh, faites-vous-en pas. Il dit, il est pas bien, il va mourir. Il dit, il y en a comme un petit poulet, il dit, il y en a pour un an. Ah, ben, j'ai dit, là, par exemple, je ne suis pas obligée d'accepter votre diagnostic. Il a vécu 7 ans parce que j'en ai pris soin, puis parce que je l'ai aimé, et puis que j'ai su être divinement dirigée pour faire ce qu'il y avait à faire. Fait que c'est un peu ça, du corps, du cœur à l'âme, de ne pas accentuer le problème, mais d'aller chercher la, les ressources et la force que le malade qui l'habite. C'est oui, ça. Et, hein? Aussi croire que lui, il vit ça, parce que lui, il y a des choses à comprendre peut-être. Oui, à apprendre, absolument. Peut-être, oui, ça. Hélène. Oui. Hein? Oui. C'est sa vie à lui, il vit ça lui, parce que il passe par ça, par là, il y a des raisons pour lesquelles il passe par là. Je suis tout à fait d'accord, puis au fur et à mesure, ben, il va prendre conscience, puis il va trouver des ressources et puis des façons de s'en sortir. Mmh. Au lieu de vouloir prier pour lui, pauvre petit, puis c'est petit, no. Puis maintenant, il y a la divinité qui l'habite et puis il peut très bien trouver, mm-hmm. bon, on peut y envoyer plein d'amour, ça c'est correct. Bien oui. Bien, on va laisser ce côté-là parce que j'aimerais connaître ton dessin sur le deuil. Parce que tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui nous fait prendre conscience davantage. Puis tu as écrit un livre aussi. Il faudra que tu reviennes, Joël. Parce que tu as tellement de choses à dire. Alors, si on passait au dessin, pourquoi un dessin pour le deuil? En fait, beaucoup de personnes, au moment où elles parlent de leur deuil, elles disent que elles sont plus elles-mêmes, elles savent plus qui elles sont. Elles se sentent comme en partie mortes. C'est vraiment des discours que j'ai entendus souvent. Et ça m'a renvoyé à qu'est-ce que ces personnes vivaient avant le décès. Donc, je suis très mauvaise en dessin, c'est censé être deux ronds identiques, et donc... Mais ça ressemble. Je représente ici donc moi et l'autre personne. Et tant que les personnes sont autonomes, elles communiquent l'une avec l'autre. Elles peuvent communiquer par rapport à ce que elles aiment, donc leurs pensées, par rapport à ce qu'elles ressentent, leurs besoins, donc les ressentis, c'est aussi bien au niveau sentiments, émotions, besoins, et puis au niveau du faire, hein, de ce que leur comportement, ce qu'elles disent. Et c'est donc identique pour ressenti, besoin. Pour chaque personne. Mais lorsqu'une personne n'est pas bien et qu'elle perd de son autonomie, à ce moment-là, moi, je vais prendre soin de l'autre personne, de ses besoins à elle, et je vais un peu oublier mes besoins. Je vais penser comme elle, qu'est-ce qu'elle aimerait, qu'est-ce qu'elle voudrait. Je vais plus tenir compte de ses pensées plutôt que des miennes. Et je vais faire aussi en fonction d'elle, parce que si je fais comme ça, ça ne va pas bien me convenir, donc je vais faire autrement. Puis... Et donc, la partie du moi, elle est fort
diminuée. Et la partie, donc là c'est l'autre. Et donc, je rentre en fusion avec l'autre personne dont je m'occupe. Ça peut être aussi des personnes qui simplement s'aiment très fort et ont vécu très longtemps ensemble. Et à ce moment-là, ben, elles ont fusionné en cours d'années, de plus en plus. Et au moment où la personne ici décède, mais il reste moi comme amputée. J'ai perdu, je me sens comme amputée, j'ai perdu une partie de mes pensées propres, j'ai plus conscience de mes besoins. J'étais tellement centrée sur l'autre personne, et donc là je ne sais plus qu'est-ce que j'aime, je ne sais plus de quoi j'ai besoin, je ne sais plus comment faire ceci ou cela. Et donc... il y a vraiment un vécu une partie de moi qui est morte. Joël, à ce sentiment d'être amputé, s'ajoute la peine en plus. Oui. Hein? Alors c'est. Il y a en plus la peine qui fait que je suis envahie par l'émotion de peine, de tristesse, et ce qui crée aussi du brouillard. Hein? C'est comme si j'ai pas toutes mes ressources. Oui. Pour cette peine-là, parce que j'en ai perdu une partie de mes ressources. J'étais comme amputée d'une partie de mes ressources, donc je n'ai pas tout accès à toutes mes ressources. C'est ça. Et alors, c'est vraiment... mais d'abord, je voulais vous dire, quand j'explique ça, c'est arrivé à plusieurs reprises que des personnes disaient « Oh, maintenant je me reconnais, et maintenant je comprends ce que je vis. » Et à ce moment-là, les larmes sortent, et alors que ces personnes, pendant les premières rencontres étaient vraiment très contenues et ne se laissaient pas aller émotionnellement. Et là, à ce moment-là, les personnes se sentent comme libérées de pouvoir, vu qu'elles comprenaient, elles pouvaient lâcher prise et pleurer. Mais à condition d'être aidées. Oui, oui, en étant accompagnées. Hein? Oui. Et donc, ceci, par exemple, ça fait partie de la formation que je donne, mais d'accord. Aussi, régulièrement, je l'utilise dans la traversée consciente du deuil. Mm-hmm. Et alors, je les invite, les personnes, à vraiment s'habiter, être bien présentes à elles-mêmes. Et c'est à partir d'elles-mêmes qu'elles vont pouvoir retrouver des ressources qui vont les amener à se reconstruire de plus en plus jusqu'à redevenir complètes avec qui elles sont maintenant, parce qu'elles ne seront plus jamais la personne qu'elles ont été avant, avant le décès. Il y a une transformation qui est vécue suite à un décès, et donc la personne trouve qui elle est maintenant, avec des ressemblances à qui elle était avant, mais avec des nouveautés aussi. D'accord. Mm-hmm. Ça, c'est à condition qu'elle accepte d'être aidée. Parce que si elle n'accepte pas, ça peut être catastrophique. Si elle n'accepte pas, elle peut, je vais vous montrer, je vais le faire ici aussi, elle peut se retrouver jusqu'à... tellement contre elle, se nier, qu'elle diminuait, elle diminuait, elle avait l'impression qu'elle n'était plus qu'une toute petite lune, en même temps développer des problèmes physiques. Et par exemple, y a une personne qui disait que, vu qu'elle trouvait que c'était logique,
la personne qu'elle aimait décède parce qu'elle avait assez souffert, puis que c'était le temps qu'elle arrête de souffrir. Et donc, raisonnablement, il n'y avait pas de quoi pleurer, puisque c'était bien pour la personne qui était partie. Oui. Mais à force de contenir les émotions, mais à un moment donné, elle s'est retrouvée en psychiatrie. Elle a vraiment été complètement perdue. Et puis, elle ne savait plus qui elle était, elle ne savait plus où elle était. Elle était complètement perdue. Et ça arrive de temps en temps que des personnes aillent si loin parce que se disent, mais je n'ai pas besoin d'être aidée, puisque raisonnablement, tout est bien. Mais raisonnablement, c'est dans la tête. Mm-hmm. Or, dans la tête peut nous, le mental peut nous dire, mais c'est bien, la personne, elle ne souffre plus. Mais en même temps, au niveau du cœur, ce n'est pas ça qui est vécu. Mm-hmm. Et donc, si on veut accueillir qui je suis vraiment, c'est accueillir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Oui, j'ai la belle-mère de ma sœur a pris soin de son mari longtemps. Et c'est elle qui est décédée avant son mari. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là, oui. Si on ne veut pas se faire aider, on dit « Oh, je suis capable de m'arranger », mais oui. On vit dans le déni à ce moment-là et c'est critique. Là, hein? Ah, oui, ça peut arriver. Donc, aussitôt qu'il y a une possibilité, il faut oser aller chercher de l'aide. Au niveau des participants, au niveau de la formation offerte par Aux couleurs de la vie, donc l'accompagnement depuis le diagnostic de maladie jusqu'au deuil, grâce à la communication de cœur à cœur et d'âme à âme, il y a beaucoup de proches aidants qui viennent. J'ai eu vraiment beaucoup de proches aidants qui étaient tellement heureux d'avoir suivi la formation et d'avoir pu modifier leur relation avec leurs proches avant que la personne décède. Mmh. Et qu'alors, elle vivait vraiment une relation qu'elle n'avait jamais vécue auparavant avec la personne en fin de vie. Et ils disaient que ça les aidait beaucoup après pour faire leur deuil. Parce que s'il y avait eu ce cadeau, même des enfants leur disaient, leurs enfants disaient, mais on n'a jamais vu une relation aussi pleine d'amour, aussi belle entre vous. Puis ça fait 50 et des ans que vous êtes ensemble. Ils ont grandi dans la famille, puis ils ont fait le pas d'avoir leur propre famille, mais plusieurs proches aidants trouvent très aidant de suivre la formation et puis ils renseignent à d'autres et ça fait plusieurs années qu'il y a beaucoup de proches aidants qui viennent suivre la formation et avec vraiment des beaux cadeaux. Ben c'est pour ça que je vous ai invité, Joël, et puis j'espère que vous allez continuer à nous écouter parce que Joël a d'autres choses à vous raconter et elle sera là la semaine prochaine. Alors, c'est à suivre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.